tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la deuxième vidéo de la semaine. Alors du coup, ce qui s'est passé la dernière fois, comme vous avez pu le voir, on a commencé à faire une quête principale pour sauver la vie donc, du roi Nature. Alors si je ne me trompe pas, c'est une grosse quête de la map, parce que c'est quand même pas rien, c'est le roi Nature. Et du coup, c'est aussi le début de la quête principale où on est c'est après, hein, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment la quête principale qu'on va suivre. Alors ça, on n'a toujours pas été. On a été que ici. C'est vraiment une grosse procède qu'il faut faire. Alors, de ce que je peux voir, apparemment, on est descendu. Donc je pense qu'on va aller sur ce côté-là après. Après, on va remonter. On va sûrement aller soit là, soit là. Et après on va remonter encore au-dessus. Comme ça, il y a vraiment une quête qui se passe ici. Alors je sais plus du tout ce que c'est, parce que moi j'avais fait du coup cette map avec un ancien perso. Et j'avais déjà tout fini ici. Et du coup je me souviens plus du tout ce qui se passe. Alors, dans la quête qu'on avait fait juste avant, on était sur une île, je sais plus le nom. Mais en gros il y avait un bateau qui a échoué, et je sais pas du tout si ça se trouve ici. Est-ce que c'est ça? On sait rien du tout, mais de toute façon c'est vraiment cette petite île là. On a été, en tout cas on a été dans une île, ça c'est clair et net, pour son histoire. Le labyrinthe, c'est une quête pour moi assez importante que j'avais fait, parce que ça me raconte beaucoup de choses sur le pays. Donc il faudrait qu'on la fasse avant de partir. De toute façon, habituellement, moi j'avais l'habitude de faire des quêtes secondaires avec vous, hein, dans les quêtes. Donc je crois qu'il faudra quand même la faire. Pardon. Donc là, on va tout simplement aller essayer de secourir le roi Nature. Chose qui est peut-être faisable rapidement, mais je suis pas sûre. D'ailleurs, on part en ligne, il est là. Et parce qu'en fait, il y a deux personnes qui sont venues pour le tuer, donc la fille qu'on a vue juste avant et le mec qui m'a demandé d'assassiner la femme. On a récupéré aussi une quête là-bas avec les vieux messieurs qui se sont croisés en demeure de vieillesse. Et on a devoir récupérer des graines qui se trouvent au même endroit, donc c'est pour ça que j'ai récupéré la quête en même temps. Et voilà! Donc c'est parti! Et cette fois, on est pendant la journée, on n'est pas pendant la nuit. Vous arrivez à point nommé. Aranias et Ander se feraient en ce moment même un chemin jusqu'à mon trône, dans un sillage de chaos. J'ai perdu le contrôle de mes gardiens. Mon pouvoir s'affaiblit. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait la mort. Je le saurai bientôt. Vous allez baisser les bras? Ma fin était inévitable depuis le début. Un nouveau visage doit prendre soin de Valboisé. C'est pourquoi Aranias a été guidée jusqu'ici. C'est fascinant. Dans son cœur, je pense qu'elle sait la vérité, mais elle hésite. Peut-être est-ce l'influence d'Ander. Donc du coup, Aranya va récupérer le trône. Comment puis-je y remédier? Je pense que vous devriez les rattraper. Suivez le sillon de feu. Aranyas doit accepter cette responsabilité de son plein gré. Mais Ander ne comprendra pas. Je pense qu'il s'y opposera. Et elle aura besoin de votre aide pour le vaincre. Alors j'essaierai de les rattraper au plus vite. Ok. Ah oui, effectivement. Alors les graines.
aime les graines. On va les récupérer tout de suite. Comme qui est fait. C'est joli. Ce sont les graines Cartmin m'a demandé de récolter pour nous. Tout cela nous appartient, Myrillir. La forêt, les fleurs, tout. Ça leur appartient. Vraiment, je sais pas quoi faire, hein. Par contre, pour ma caméra, pour ma souris, honnêtement, je sais pas du tout quoi faire. Elles sont si belles, Artmin. Pensez-vous qu'elles dureront à jamais ? Et c'est joli, en tout cas. Alors, on a récupéré, du coup, les... On a récupéré les deux hommes. Effectivement, ça doit être en haut. La légende du roi... Du roi vert ? Je sais plus. Ah non, il est là. Vite, Aranya s'hésite. Elle sait à présent pourquoi elle est ici. Oh. Pour sauver Valboisé, et non pour le détruire. Oh. Elle veut changer d'objectif, mais elle a peur. Elle a peur de tenir tête à Ander. Où sont-ils ? Les pouvoirs d'Aranya se développent tandis qu'elle s'approche du trône. Elle y a ouvert le sol pour entrer dans les tunnels qui mènent à mon trône. Oh. Vous devez la suivre. Vous devez aider Aranya lorsqu'elle décidera de lui tenir tête. Je vous aiderai volontiers si les esprits de votre forêt ne m'attaquent pas. Mon emprise sur les créatures de Valboisé s'affaiblit. Voilà pourquoi ils paniquent et vous attaquent. Je n'ai pas la force de les retenir, mais je peux vous donner l'air moins menaçant. Oh, mais faites attention. Ce sortilège ne dure qu'un court instant. Ok. Ok. Bah let's go. Faut qu'on se dépêche. Après, je suis en pleine journée, donc c'est peut-être logique que j'ai vraiment de faire. Parce que j'ai les reflets dehors, je suis désolée à augmenter les gamins, mais je pense que je vais fermer la fenêtre hein, si ça continue. Enfin, fermer les rideaux de la fenêtre. Ah, yes, c'est bon. On y va. Je ne vous laisserai pas le tuer, Ander. De mon chemin, fillette. Cela n'a que trop duré.
Attendez, je remets le gamin, du coup. Je remets le gamin normalement. Et il y en a plein. Pas du tout non plus. C'est vous, Asylatar ? Mon ami. Loué soient les huit. Vous aviez raison pour l'héritage voilé. J'en suis sûre désormais. Ils m'ont utilisé comme appât pour piéger le roi Nature. Et à présent, Ander va le tuer. Je ne peux pas le laisser faire. Je dois l'arrêter. Effectivement, on a bien modifié le passé du coup. Comment comptez-vous vous y prendre ? Je ne sais pas. Mais il me semble que c'était ce que je devais faire depuis le début. Lorsqu'il a brûlé la forêt, j'ai ressenti sa douleur. Je pense que je suis liée à cet endroit. Mais je ne pourrai pas combattre Ander. Il est trop fort. Acceptez-vous de m'aider ? Bien sûr. Où est Ander à présent ? Il est parti devant. Je peux traverser les racines pour le rattraper, mais vous serez forcé de vous frayer un chemin. Mais... Voilà qui pourrait vous aider. Ce faisceau de racines vous permettra de vous enfouir sur de courtes distances. Au moins, cela vous permettra de passer les incendies d'Ander. Très bien, dans ce cas, allons-y. Je protégerai le roi Nature aussi longtemps que je le peux, mais vous devez vous dépêcher. Attendez. Ma fille, c'est un vampire, du coup, c'est une galère. Hein. Mais pourquoi je peux pas? Ok, ça marche pas du tout, son truc. Non, je peux pas. Elle veut pas. Ah!
nations ne cesseront-elles donc jamais ? C'est joli, hein. C'est super joli par contre. Eh mais, c'est des statues Altmer. Pourquoi il y a des statues Altmer chez les Bosmer? En même temps, je suis un peu stupide parce que du coup, c'est une architecture Altmer. Alors, on doit passer par là. Mais... Ah oui, c'est vrai. C'est son trône. Ok. Ah mais elle est où? Ah mais c'est vrai, elle va revenir après. C'est trop beau. C'est juste trop beau. Aranias a été guidée jusqu'ici pour me succéder. Mais je pense que vous êtes là pour assurer son ascension. Si vous n'étiez pas venu, Ander nous aurait probablement tués tous les deux. Laissant Valboisé en proie au chaos et à la vengeance. De nombreuses vies auraient été perdues. Et mais on a besoin d'elle aussi pour notre quête principale, on va faire comment? Aranias va donc devenir la reine nature? Oui. Depuis des siècles, ma seule idée est de façonner et de préserver Valboisé. Le protéger contre les influences extérieures et contre lui-même. À présent qu'elle est là, je suis libre de retourner à la Terre. De rendre à ce qui m'a tant donné. Et où est Aranias? Elle est au-dessus. Vous devriez la rejoindre. Elle a peur de cette transformation, mais vous devez la rassurer. C'est bien sûr l'ordre des choses. C'est nécessaire pour elle et pour Valboisé. Mais elle doit le choisir de son propre chef. Ok, donc on va devoir persuader Aranias d'être du coup la nouvelle reine nature. Mais du coup, c'est pas du tout la vérité au final. Dans le sens où, en vrai, on n'est pas censé être son ami en fait. On était censé la tuer. C'est aussi simple que ça, on était censé la tuer. Hein. On est tout en haut de la. Tout en haut de l'arbre. Ouais, on est tout en haut. On est tout en haut. Avec beaucoup d'architecture, en tout cas des hôtels. Je suis terrifiée. Je devrais pourtant être confiante, non? Après tout, nous avons vaincu Ander. Mais regardez cette immense forêt. J'ai déjà utilisé ma magie sur de petites parcelles dans l'archipel du couchant. Mais là, il s'agit d'une forêt entière, grouillante de vie. Dites-moi que j'en suis capable. Vous pouvez le faire. Je pense que lui aussi, c'était un homme autrefois. Oui. Le roi nature, s'entend. Il était comme nous. Mais quand il a accepté cette charge, il est devenu autre chose. Je pense qu'il a fusionné avec Valboisé et a oublié son ancienne identité. Cela change quelque chose? Exactement. Cela signifie qu'une fois cette responsabilité acceptée, je deviendrai la reine nature. Et j'oublierai mon ancienne vie, mon foyer, ma jeunesse, tout. D'après ce que j'ai vu, ces souvenirs n'avaient rien de glorieux. Non. Mais ce sont les miens, et je garde de la tendresse pour certains. Ceux avec vous, ils ne semblent pas entièrement réels, mais ce sont les souvenirs qui me manqueront le plus. Mais je dois m'en séparer. Comme je vous accueille dans mon cœur, je dois accueillir Valboisé. Alors vous êtes prête à devenir la reine nature? Oui, mais j'ai besoin de votre aide. Vous devez gravir plus haut sur la tour et placer la couronne du roi nature dans les jardins qui s'y trouvent.
Et ensuite, vous devrez m'attendre. Promettez de m'attendre. Je vous le promets. Ok. Je suppose qu'on va encore se faire attaquer. Donc, du coup... Ah non, je sais que là. Mais c'est super facile. C'est assez simple au final. Hein. On est vraiment tout en haut. On est où exactement? Ouais, on est tout en haut, tout en haut. Ouais, elle est déjà devenue. Ah bah c'est elle. Tout est tellement différent. C'est comme si je n'avais plus de forme physique. Comme si mon être s'était étendu sur toute la forêt. Aranias s'efface. Mais vous resterez mon ami, qui que je devienne. Restez encore un instant. Donc ça veut dire que la nouvelle reine de nature est une haute elfe. La nouvelle reine nature est une haute elfe. C'est pas une elfe des bois, c'est une haute elfe. Je suis un petit peu sous choc, mais d'un côté tant mieux. Tant mieux parce que ça signifie qu'on a vraiment un accord mais hyper profond du coup. Au final on a vraiment enraciné nos racines, notre race des hauts elfes, on les a vraiment enracinés chez les elfes des bois. Donc on est vraiment dedans, on est vraiment ancré. Je suis là. Je suis prête à oublier mes souvenirs, mais je ne peux pas oublier les leçons que j'ai apprises. Vous m'avez aidé à comprendre la différence entre ami et ennemi. Je suis déterminée à ne pas l'oublier, ni à vous oublier, vous. Pas de place. J'ai jamais de place sur une map. Faut vraiment que je vende des trucs, que je fasse comme ça. Qu'est-ce que je peux enlever? J'ai pas des trucs lourds. J'ai que des trucs légers. De toute façon, faut que j'en vende. Hein. Ah, lourd. Voilà. On en a deux parce que ce soir j'en avais besoin plus tard. Je suis prête à... Je connais la raison première de votre venue. Oh. Vous assurez de l'allégeance du roi nature envers le domaine d'Alnéry. Oh. Rallier Valboisé à votre cause. Seriez-vous prête à me présenter une telle demande à présent? Seriez-vous prête à me demander une telle demande à présent? Bah oui, maintenant que tu sais la vérité. Oui, la reine Aeren, membre de votre agence. Et je vous le donne de bon cœur. Au nom de Valboisé, nous vous prêtons allégeance. Je prie pour qu'Eren réalise que son alliée la plus fidèle se tient devant moi à cette heure. Toutefois, je dois vous confier quelque chose avant que les souvenirs d'Aranias ne s'estompent. Qu'y a-t-il ? C'est l'héritage voilé. Comme vous le savez, ils ont volé le bâton de Magnus. Oui. J'ignore où ils l'ont emporté, mais vous devriez chercher à Foyeret à l'ouest. Je vais ouvrir un portail vers la porte ouest de Vercor. Ok. Adieu, mon ami. Merci, je pars pour Foyeret. Donc du coup... Donc ouais, c'est bien ce que je dis. Maintenant, la nouvelle arène nature est une OL. J'en reviens plus. Il faut que je rende aussi... Je pense qu'on peut pas retourner là-haut. Non. Ok. Je pense qu'on peut passer. Il faut qu'on rende la quête aussi secondaire. Ah, c'est secondaire. Il faut que je rende la quête secondaire. C'est le train mort. L'histoire du roi Nature a touché à sa fin. Et celle de la reine Nature a débuté. Peu de Bosmer réalisent à quel point leur relation avec Valboisé est fragile. Mais vous et moi le savons. Nous avons été témoins des sacrifices nécessaires pour la préserver. Aranias oubliera-t-elle entièrement son ancienne vie? Au fil du temps, oui. La myriade de sensations et d'expériences de son lien avec Valboisé occultera les maigres souvenirs de son passé. Purée. Mais elle conservera son caractère. Et elle façonnera l'avenir de Valboisé.
Valposé est donc en sécurité à présent ? Malheureusement, non. L'héritage voilé semble décidé à attaquer le cœur et l'âme de notre peuple. Mmh. Et c'est Valboisé. Je sens des menaces encore plus sombres émerger ailleurs. Mmh. J'espère que vous, ou quelqu'un d'autre comme vous, serez là pour nous défendre. Bien sûr. C'est une des raisons pour laquelle on est là, en toute façon. Alors la quête secondaire, où est-elle la quête secondaire ? Je sais plus. Là. Je ne peux pas faire ça. Je suis... du coup, on va ici. Mais c'est super loin. On va quand même y aller. On va quand même y aller avec le cheval. Du coup, je suis dégoûtée parce que j'avais voulu précommander du coup le DLC pour avoir le nouveau cheval. Mais je pourrais pas. Précieuse et si fugace. Ne la laissez pas fuir. Prenez le temps de sentir la caresse du vent et prêtez attention à la façon dont il charrie le son du nom de votre véritable amour. Mérilir, je n'ai jamais rien entendu d'aussi doux et d'aussi cher. Il est parti ? Oui. Sa mort fut rapide et paisible et nous étions ensemble. C'est tout ce qui comptait vraiment. Bientôt, ce sera mon tour de me reposer. Mais vous avez été si bonne avec nous. Avez-vous trouvé le sourire des Néréides ? Oui, j'ai trouvé la graine pour vous. C'est drôle. Ces fleurs étaient si importantes pour nous quand nous étions jeunes. Mais à la fin, nous n'en avions plus du tout besoin. Nous avions nos souvenirs. Mais ces graines sont merveilleuses. Je réalise désormais leur véritable signification. Au revoir, Mérélire. Je sème ces graines en souvenir de la vie que nous avons partagée. Alors, même que nous disparaissons, d'autres viendront ici savourer la joie que nous apportaient ces fleurs et notre compagnie. Ainsi, notre amour sera renouvelé de toute éternité. C'est trop beau ce qu'il dit. Il coupe toutes les petites fleurs autour. C'est trop beau. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vous rejoins directement dans la ville à côté. Il faut aller. Comme ça, en même temps, je vais regarder à combien de minutes je suis dans la vidéo et on se retrouve. Juste après. Ok, on y est. C'est parti. Ah, il y a deux mêmes qui se trouvent ici. Pourquoi ? Pourquoi il y a deux mêmes ? C'est bizarre, non ? Je n'y crois pas. Il avait encore raison. Quand apprendrai-je à ne pas parier mon or contre les intuitions de Razumdar ? Il a dit que vous passeriez par ici. Alors c'est vrai ? Vous avez convaincu le roi Nature de jurer sa loyauté à la reine Eren ? Oui, mais c'est la reine Nature désormais. La reine Nature, Les temps changent à Valboisé. Cette affaire a mis le domaine en délicate posture. Quoi ? C'est sans doute pourquoi ma présence en ces lieux est importante. Razumdar m'a envoyé ici pour attendre votre arrivée. Il veut que vous le retrouviez dès que possible. On dirait que le vice-commissaire Pélidil est passé par ici après avoir volé le bâton de Magnus. Ah oui, ça y est, je m'en souviens.
C'est le dernier, justement, qu'on a su qui était méchant, c'est le tout dernier, et en fait, on est en train de faire une course-poursuite après lui. On avait déjà fait une course-poursuite après une autre personne, une femme, parce qu'elle avait vu qu'elle était en danger, et du coup, elle s'est barrée. Et du coup, oui, effectivement, on était course-poursuite cette fois contre lui, et il me semble que c'était le tout dernier, si je me trompe pas, dans tout le truc de la Reine Voilée, il me semble. Pourquoi Pélédir est-il venu ici ? Comment le savoir ? C'est vrai. Je le soupçonne de chercher un navire pour retourner dans l'archipel du couchant. Ça se peut. Peut-être est-il déterminé à y donner une dernière sépulture au prince Néman. Mais Razumdar suspecte quelque chose, et il avait l'air très inquiet. Il faut savoir que le prince Néman, si vous vous souvenez, il est mort. Hein. Il est véritablement mort. Qu'en pense Razumdar ? Il n'a pas voulu me faire part de ses soupçons. Mais quoi qu'il suspecte, je pense que cette fois il tape dans le mille. Il veut sans doute vous en parler. Vous le trouverez dans le quartier général du Talmor. Très bien, je vais aller chercher Razumdar. Ben, c'est pas mon signe, parce qu'en général, Razumdar, il sait rien. Mais si là, il sait quelque chose, c'est vraiment pas mon signe. Il y aura plein de quelqu'un qui va faire mon signe. Et je vous ai dit, moi, dès qu'on aura fini la quête principale, j'aimerais bien faire du coup les quêtes secondaires. Normalement, c'est mieux de faire les quêtes secondaires avant la quête principale parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être t'aider pour la quête principale. Mais honnêtement, j'aimerais bien faire la quête principale avant. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ou alors, terminer la quête qui se trame ici. Et après, faire toutes les quêtes secondaires qui sont autour. Je sais pas, je vais voir. J'ai entendu parler de votre pieux travail sur le site sacré de Torinahan. Oh, que les divins vous bénissent. C'était quand la reine, du coup, elle devait avoir la bénédiction des anciens. Ça date. Voulez-vous cesser de bouger ? Cette illusion exige de la précision que je ne pourrai jamais atteindre si votre queue ne cesse de s'agiter. Je te signale que tu parles à un félin, c'est impossible. On ne peut pas lui parler, mais lui, oui. Les soupçons du Tan Sylvestre pourraient être justifiés. Il pourrait y avoir un espion parmi nous. Mais je vous assure, à tous, qu'il n'est pas dans les rangs du Talmor. Bah, s'il dit ça, c'est que c'est vrai, hein. J'ai l'impression de passer plus de temps dans le maudit quartier général du Talmor qu'à l'extérieur ces derniers temps. Ils doivent tout mettre en ordre et sécuriser la ville. Sinon, je demande à la reine de les renvoyer d'où ils viennent. Elle peut pas... Peut-être qu'elle peut pas le faire, hein. C'est la troisième fois en cette semaine que mes tigres sèches prennent la fuite. On les retrouve ensuite massacrés près de cette caverne infectée de l'ami. Si vous vous souvenez, les tigres sèches, c'est un peu genre une team un peu pas d'assassins, mais c'est une team genre les teams qui sont les plus fortes dans parmi les Khajiits, si je me trompe pas. On les avait rencontrés au tout début quand on avait entré chez les otages chez les elfes des bois. Si l'on n'y fait rien, je me rendrai à Markbrook pour présenter ma doléance à la reine en personne. Alors nous verrons combien de temps encore le Talmor aura le droit de faire fier. Non, faut y aller. Le domaine appartient aussi aux Khajiits, pas seulement aux elfes. J'exige que vous entrepreniez, que vous preniez les actions nécessaires pour mener une enquête dans la caverne de Suracine et que vous me dédommagez pour mes chats perdus. Donc Suracine, on va voir Suracine. Ok. Ce mage du Talmor va me rendre chèvre. Tenez-vous ici, tenez ça, tout est si exact. Je préfère plus de souplesse. Je suis content qu'un autre œil soit présent et le comprenne, parce que si nous voulons protéger le domaine, nous devons agir vite. Et que devons-nous faire ? Nous devons trouver Pélédil, bien sûr. Je l'ai suivi jusqu'ici après qu'il a volé le bâton de Magnus. C'est le nouveau chef de l'héritage voilé, et il a des alliés ici à Foyeret. De sales traîtres qui conspirent contre la reine Eren. Et que comptez-vous faire ? Cela, nous l'ignorons encore. Mais j'ai imaginé le plan parfait pour déloger ces rats. S'ils avaient l'occasion d'assassiner la reine, ils bondiraient sans doute hors de leur cachette, non ? La reine vient à Foyeret ?
maintenant, c'est moi qui deviendrai la reine, si ce mage fait son travail, bien sûr. Nous partirons bientôt, je dois me préparer. Parlez au Tan Sylvestre Fariel. Elle pourra vous en dire davantage sur les traîtres qui aident Pélidil. Très bien, je vais demander à Fariel de m'expliquer ce qu'elle sait. J'aimerais vous demander une faveur. Si le mage du Talmor me transforme en singe, vous devrez me venger. Et vous devrez poursuivre Pélidil seul. Mais j'espère que cela n'arrivera pas, cependant. Moi, non. J'avoue, qu'est-ce que le Talmor vient faire ici? Vous partagez donc mon dégoût, oui. Mais nous devons les accepter. Le Talmor a été envoyé à Foyeré à la formation du domaine. Ce port est critique pour le commerce, et l'on s'inquiète qu'il puisse devenir une cible pour les espions ennemis, ou pour les Mahormeurs. C'est vrai que les Mahormeurs, on les a toujours pas réellement totalement zigouillés, on va dire ça comme ça. On a tué du coup le chef, mais après on n'a pas démasqué tout le monde, ça c'est vrai. Et qui a envoyé le Talmor ici? Je suppose que c'est la reine. Le haut commissaire Orselmo a donné les ordres, mais la reine Eren a donné sa bénédiction. Elle préfère ne pas envoyer le Talmor dans toutes les villes du domaine. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, elle n'avait guère le choix. Même le Tan Sylvestre Fariel admet qu'ils sont nécessaires. Ok. Avez-vous appris autre chose à propos de Pélidil? Je pensais que le vice-commissaire était un lâche dégriffé. Toujours à se cacher derrière le prince Némon. Et ben ça. Pathétique. Mais il est devenu plus sournois. Je sais simplement que Pélidil n'est pas loin et qu'il a le bâton de Magnus. Il me semble que Pélidil, c'était un peu genre qu'on le nommait un peu le chien-chien de Némon parce qu'il était en adoration par rapport à Némon. Le bâton de Magnus, c'est pas un bâton qui modifie... Ah mais oui, justement, c'est pour ça qu'il a dit que si on le transforme en je sais pas quoi et on le vengera, c'est vrai. Il me semble que le bâton de Magnus, ça modifie ce qu'on vise, si je me trompe pas. Et le prince? La dernière fois que j'ai vu Némon, il était encore mort. Mais Pélidil ne traînerait pas le cadavre du prince simplement pour lui offrir un enterrement digne de ce nom. Il doit préparer un rituel de nécromancie. Mais pourquoi? Némon ne pourra pas régner sur le domaine s'il est mort vivant. Ok. Alors, je vais m'arrêter là-dessus parce que mon chien, il veut absolument que je reste avec lui. Enfin, mon chien, sans être mon chien. Du coup, on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Et je vous dis... Bye!